Salut Hervé. Jean-Luc. Salut Pascal. Christelle. Oh là là, on est nombreux aujourd'hui. Oui, aujourd'hui c'est full. Bon, alors, on va partir pour un vol à destination de Logne. Vachement original. Très bien, on est prêt. Ça, je le laisse ici. Au niveau radio, un dernier essai. Hervé. Eh ben écoute, tout le monde est content. C'est bon. Estelle. Ouais, 5. 5-5, ok. Donc moi je suis prêt. Tout le monde est prêt. C'est bon. Le sol de Fox X-ray Oscar, point d'attente 26 dur, je suis prêt. Oscar maintient le point d'attente, mais la tour 118 décimal 6. Je maintiens le point d'attente, je veille 118 décimal 6, X-ray Oscar à l'hôtel. On a une arrivée à gauche. Oscar, papa, est-ce qu'il vous est encore possible de prendre un gazonné pour permettre un départ? Affirme, on va prendre la gazonnée, Oscar Papa. Merci Oscar Papa, autorisé, toucher piste 26, gazonnée, vent 330 degrés 89. Ok, donc on attend qu'il se pose là, et l'autre derrière il va sur la gazonnée. Autorisé, toucher en gazonnée. C'est toi qui as ma carte Hervé? Oui. Ok, bon ben tu la donneras quand on sera au niveau de Melun en fait, même plus tard. X-ray Oscar, la tour, bonjour, le niveau piste 26, durée, attendez. X-ray Oscar, bonjour, je m'aligne, 26 heures, j'attends. Donc, on va faire un décollage puissance sur frein, donc on va se mettre au tout début. On va lancer le moteur plein pot. X-ray Oscar, autorisé décollage piste 26 dur, vent 330 degrés, 4 nœuds, un Robin au toucher tour de piste gazonné. Autorisé décollage 26 dur pour X-ray Oscar, visuel sur l'appareil en 26 gazonné. Voilà, ok, donc on est aligné. Tout à l'heure j'ai dit 82, en fait c'est 262 puisqu'on est de l'autre côté. On a la pompe, on a un cran de volée, puissance sur frein. On a 2000 tours affichés, on décolle. On est parti, talon au plancher, alors du pied à droite parce que cet appareil est très puissant. Manche en avant, badin actif, 34 nœuds, 38 nœuds, 40 nœuds, 50. Ok, on tire. Donc il est chatouilleux, c'est normal, hein, il va viper régulièrement. 70 nœuds montée initiale. Voilà. Ok, on a décollé. Et il est donc 52. 70 nœuds, on le maintient. Il y en a un à notre gauche, on a un visuel. Ok, je laisse passer. On est à 80 nœuds, visuel à droite. Un visuel. Je vire. Le sol, Fox X-ray Oscar, vertical 1400 pieds. Visuel sur l'appareil à ma gauche. Je suis X-ray Oscar, la verticale est approuvée, rappelez pour quitter. Vertical approuvé, je rappelle pour quitter, je laisse passer l'appareil en ce moment. Ok, on monte à 1082, c'est nickel. Appareil dépassé par la droite, donc on grimpe à 1400 pieds avec Roscar. Ok. Fox Mike Québec, on est devant derrière pour un toucher sur la piste. Mike Québec, numéro 1, rappelez final piste 26 dur. Numéro 1, rappelez final piste 26 dur, Mike Québec. Ok, 1400 pieds, on est stable. 2450 tours. Logne, Oscar Papa, en vent arrière. Le plan de vol est actif. Oscar Papa, numéro 2, le précédent à Robin. Travers tour, rappelez final piste 26 dur. Logne, Oscar Papa, en numéro 2, okay, qui rappelle en 26 dur. Donc on prend la croisière. On a du 5 nœuds arrière comme prévu, 6 latéral. Ok.
peux mettre 121.1 s'il te plaît? Ouais, c'est ce que j'allais te proposer. On prend le 120. Alors à gauche, on est vertical de Logne. Voilà, 120. Très bien. Merci. 2500 tours sur celui-ci. Olé. Voilà. Donc la verticale, on était à 53. C'est ça? Ouais, 53. Donc, ouais, 5,58. Bon, bah c'est nickel. Le plus difficile est fait. C'était le décollage. C'est vrai qu'il chatouille pas mal, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Mike de Québec, autorisé. Bon, cela étant dit, c'est comme si on avait un novembre alpha ou un Romeo Delta. Ah, plus de choses près, hein. Non. Tu voles sur quoi en ce moment, toi, Hervé? Enfin, le plus? Ouais. Pour lequel? Celui-là, il est bien, hein. Ouais. Première fois, celui-là. Non, c'est la deuxième fois, celui-là, pour toi. Ah oui, deuxième. Et donc, la ligne 2. Donc, on va aller là-bas. Ils vont pas tarder à nous lâcher. Lodge de X-Ray Oscar, pour vous quitter. X-Ray Oscar, vous pouvez quitter transpondeur 7000 tout à l'heure. 7000 tout à l'heure, X-Ray Oscar. Ils vont passer là? Ouais. Arrive sur Terre. Bella Tour de Fox X-Ray Oscar, bonjour. Vous pouvez poursuivre avec la scène 134 décimal 3 et garder votre transpondeur. Voilà. Donc, bravo Sierra, donc on passe sur 134.30 et on garde le code transpondeur 3412. Bravo Sierra. C'est qu'au sommet. Fox Kilo Delta, vous arrivez en sortie transpondeur. Voilà. Alors, on l'a rappelé. 5000 de France, vous pouvez passer avec Orly, 118 décimal 7. Je vous remercie, une bonne journée monsieur, à plus tard peut-être. Bonne tour de Fox, Isra Oscar, bonjour. Fox, Isra Oscar, bonne tour, bonjour, j'écoute. Le Fox Golf Mike, Isra Oscar, un DR400, 4 personnes à bord, en provenance de Logne, pour un vol local secteur sud, massif de Fontainebleau. À 2 minutes de novembre pour transiter 1400-1500 pieds, la CTR. Fox Golf Mike X-Ray Oscar, transpondeur 3-34-14 et QNH 1024. 34-14 affiché, 1024 Fox X-Ray Oscar. 1024, on est ok. Donc j'ai dit qu'on allait faire du 1500, donc on grimpe 1500 un tout petit peu. Donc 1500, ça va être ma altitude de référence à peu de choses près, 1400, 1500. Donc le point novembre juste devant nous à gauche. Bon, la radio elle a arrêté de gueuler, de faire son bip, tant mieux. Ah oui, c'est vrai. Fox X-Ray Oscar, identifié. Transit approuvé, rappelez Sierra Mike. Donc transit approuvé pour Fox X-Ray Oscar. Donc pour information, nous allons faire un 360 entre Blandy et Vaulx-Vicomte et ensuite nous partirons par MLN. Bien reçu, Fox X-Ray Oscar est approuvé. Reçu, merci X-Ray Oscar. Donc la première route, pour bonjour du Fox 365. Voilà, 1500, on est bien. Fox, bravo novembre, Melun Tour, bonjour, on n'y touche plus. Fox, Juliette, bravo, donc, bravo novembre, un BRM au parking Crotone. Les cantines de roulage font un vol à destination de la Ferté Gaucher avec l'information bravo. Ok. Alors en fait, c'est un 165, donc je cherche le 165. Mais en fait, Fox, c'est un petit Juliette, peu moins. Bravo, bravo novembre, transpondeur 3415. Vous pouvez rouler par Whisky, voilà. Rappeler avant pour la 3410. 3415 au transpondeur et je roule.
via Whisky pour le point d'attente 10, Folklore Volant. Là, il a quasiment pris sa vitesse de croisière, là. Tu veux ? Ouais, ouais, je veux bien. Donc, pour la petite histoire, j'ai revolé hier avec cet appareil, et ce matin, avec les vidéos que j'avais faites avec Pierre et Philippe. Bon, bah, il est très bien, là. On est dans le vert ici, on est dans le vert 2500 tours, ça, ça n'a pas bougé, ça, ça n'a pas encore bougé, c'est normal. Donc on cherche Blandy-les-Tours, hein. Blandy-les-Tours, il est quelque part devant nous en principe. Ouais. Ou à droite. Ça faisait longtemps que j'avais pas volé avec Melun, moi, en fréquence. Un contrôleur en formation. Ah bon? Il me semble. Ah. Alors, là, c'est sûr qu'il a le phrasé un peu calme là. Oui. Donc là-bas, on voit Vaux-Vicomte à droite, dans la verdure. Donc ouais. On tire une ligne à gauche et Blandy, il est quelque part devant là. Donc quand on croisera les axes, je réduirai à 82. Pour faire une vitesse de passage pas trop rapide. Un rayon de giration de 500 mètres. 82, c'est 500 mètres à 20 degrés. Donc on va prendre, virer, hop. Alors le plus difficile dans ces cas-là, c'est vraiment de trouver la bonne inclinaison et au bon moment surtout. Alors, j'ai une question. Là-bas, c'est ici. Ok, donc il est là, Blandy, pour moi. Ok, j'ouvre un petit peu à gauche, c'est normal. Ok, vous le voyez, Blandy, il est juste en dessous, là. Ouais, c'est là. Ouais. Et là-bas, on voit déjà Vaux-le-Vicomte. Ok, je réduis. Donc, on va passer en vent arrière, donc c'est du 1800 tours. Ok, je maintiens les 1500 pieds. Ah oui, la vitesse chute, là-bas. C'est normal. Au milieu de la forêt. Là-bas. Je maintiens 1500 pieds, oui, je vois. 90 nœuds. Là, on le voit, Blandy. Ok. Ok, un cran de volet. Les verts, j'ai mis la pompe. Un cran de volet, gauche à droite. 1500, la pompe, je compense. Nœuds, on est d'accord. Voilà. Donc maintenant, on va garder cette vitesse, le temps de faire toute la manœuvre. Donc on est parti à 50. Ouais. Alors Blandy il est là, voilà. Ouais, il y a un château. Ouais, c'est ça. Donc moi quand je le vois par mon travers, je vais peut-être enclencher le virage. Alors en fait, bon maintenant les exercices c'est ça pour moi. Ça consiste à savoir à quel moment enclencher un truc. Donc on est 1400 pieds, c'est largement bon. C'est bon ? Plus symétrique c'est mieux, voilà, Blandy est là. Oscar de novembre, point d'attente 10, Whisky, prêt au départ depuis l'intersection. Bravo novembre, pour info, un DR400 en évolution au-dessus de Vaux-le-Vicomte et Blandy est court. Alignez-vous piste 10, autorisé décollage, vent 340 degrés, 1 nœud. Autorisé alignement au décollage depuis Whisky en piste 10, c'est pour un virage à gauche. Là c'est approuvé pour un virage à gauche. Okay, merci, j'ai bien pris pour le trafic au-dessus de vos micros. Alors tour de Xros Car, je confirme. Donc vertical Blandy, on va sur vos micros, 1400 pieds. Merci Xros Car. Donc vous regardez après, derrière en général on le voit encore bien. Ah, Melun du Novembre 450 Lima Hotel, rebonjour. Novembre 450 Lima Hotel, Melun, bonjour. Oui, rebonjour, le 450 Lima Hotel est un Beach Baron 55 à la pompe et c'est pour un vol VFR à destination de Cancarpiquet, Roméo Kilo.
Nord 450, Lima Hotel, transpondeur 3-4, unité 6, roulé Whisky, point d'attente, piste 10. Je roule pour la 10, et 34-16 au transpondeur Lima Hotel. Donc là, tout à l'heure, quand on sera au niveau de Fontainebleau, on aura une approche un peu similaire. Fontainebleau, j'ai regardé, ça fait 3 km même, entre le moment où on le voit et le moment où on passe à côté, donc on a là pour deux bonnes minutes pour observer, on a les jardins. Ah, mais voilà, ça y est, il est là-bas. Alors, le château est là, ok. Là, quand on fera le transit vers Blandy, tu pourras mettre Melun, s'il te plaît, au niveau du bord. Voilà. Ah ouais. Centre 6 de mémoire. Alors il est où ce château? Mince, on est passé quasiment dessus. Tu as fait les 10 heures. Ah, raté. Vous le voyez là en dessous là? On le voyait avant, mais là on a l'aile. D'accord, ok, donc je vais virer. Blandy est là-bas, c'est bon, je l'ai repéré. Alors mon Blandy là-bas, ok. Alors Blandy, ok. Bon, alors on le voit bien à droite là. Ah bah là on l'aura vu sous tous les angles. Ouais. Ah voilà, il est. Limoncez le whisky, je suis prêt. Proxima Hotel, remontez la piste 10, alignez-vous, autorisez décollage dans 330 degrés, 4 nœuds. 330, 4-2, je m'assigne à 10, les moteurs. Ok. Bon, alors là, je m'éloigne un peu volontairement, je vais aller chercher un radial. Donc là-bas, il y a une ville jaune, faut pas passer dessus. Et ça nous amène sur Melun. Approximation, tel allez, point un point en trafic coup d'œil à droite, qui est en évolution verticale de vol, j'y crois. Oui, ok, bah pour moi c'est un virage à droite, oui, on l'a eu sur vol du Grand et puis Cap Ouest. Reçu une charge Barbarossa. Oui, par exemple. Bon, reçu. Ok, 1500 pieds. Il est prêt, Limotel. Limotel, donc vous êtes autorisé au décollage, vent 330 degrés, 4 nœuds. 330 degrés, 4 nœuds, je décolle, Limotel. Voilà,
J'ai arrêté la pompe, on a pu les voler. Hop, la réchauffe, je l'ai pas fermé. C'est mieux comme ça, je me disais. Tac, reprise de croisière. Hein. On est dans le vert pour tout. Velin Tour de Fox X-ray Oscar. Fox X-ray Oscar, je vous écoute. Donc Fox X-ray Oscar, fin des évolutions Blandy Volvicomte. On reprend notre route vers MLN et on vous quittera tout à l'heure pour passer avec Seine. Reçu, pour un temps, restez sur ma fréquence, je vous rappelle pour changer de fréquence. Reçu, merci. Bon, donc là, il y a une jolie petite ville jaune, là, faut l'éviter. Et le bord, il est quelque part derrière, là-bas. Ah, non, il est quelque part derrière, là-bas. Donc voilà, on est quelque part ici là. Ouais. Alors, moi ça, quand je prends la carte, je la mets dans le sens de la navigation. Si tu fais pas ça, car, je reconnais à qui va te dire. Info 134 qui m'attend, ils ont les éléments, gardez le transpondeur, au revoir. Donc le vent, il doit être quelque part en dessous là. Fox X-ray Oscar. X-ray Oscar, je vous écoute. La Fox X-ray Oscar, vous pouvez passer avec Seine Info 134 décimal 3, ils ont les éléments, gardez le transpondeur, à tout à l'heure. On conserve le transpondeur, 134-3, merci, au revoir, bonne fin de journée, à tout à l'heure. Fox Bravo Novembre, en sortie de 7R, transpondeur okay, 7000, quittez la fréquence, au revoir. Transpondeur 7000, je quitte. Non, je l'aurais dit à tout à l'heure, mais en fait non. Ah, ça y est, visuel sur le vent. Seine Information de X-ray Oscar, bonjour. Station Plan, c'est l'information, bonjour. Donc c'est l'information, Fox Golf Mike, c'est Oscar. Donc pour information, nous sommes 1400. Nous allons faire des évolutions sur le massif de Fontainebleau. Donc 1400, 1500 pieds maximum dans toute cette phase-là. Bon, une bonne demi-heure avant de revenir sur... 20 minutes avant de revenir sur MLN pour ensuite un vol vers Bray, Provins. Trafic connu à vous signaler, vous êtes identifié et le QNH régional à 1024. 1024 reçu, transpondeur identifié. Merci, à tout à l'heure. SEM de Fox Golf Sierra, Bravo India, pour quitter et appeler l'approche de Vatry. Reçu, Bravo India. Donc 7000 au transpondeur et 129.4 avec Vatry, tour, au revoir. 225. 129.4, la tour. SEM info de Fox, Bravo Golf, bonjour. Hop là, on est sur l'axe. On est passé, il était 11. Alors, heure réelle, 11, voilà. Vous voyez le château là? Ouais. Bon ouais. Ben voilà, c'est là où on va. Donc en dessous, on a la Seine. On va aller voir sur la droite, vous verrez, il y a une petite île, comme ça, ça s'appelle Samoa, sur Seine. À gauche, on a Champagne sur Seine. Tout le massif de Fontainebleau est là, tout à l'heure on va revenir en évolution. Sur la droite vous voyez, il y a un petit truc blanc là, qui émerge dans les arbres. Oui. C'est la tour de notre info, c'est notre cible de tout à l'heure. On a l'île Boudreau là-bas, Barbizon c'est derrière. Bonjour, Fox de Bravo X-ray, on a Saint-Pierre-Saint-Saint-Saint avec deux personnes à bord en provenance de Troyes et à destination Saint-Pierre-Saint-Saint avec Jean-Paul Reinhardt. Pardon, c'est là-bas. X-ray, non, Golf c'est reçu, affiché 70-32. Et le QNH est 1024. Donc on va un peu éviter les patins quand même. Transpondeur 70-32, QNH 1024, merci. Voilà. Ah non, bah c'était bon là, merci. Ah, il me fait bizarre cet appareil. Ok, on a un vent qui nous pousse de la droite, léger, léger. Voilà, on va rester à cette altitude là. Donc mine de rien, on est à la hauteur de la tour Eiffel là. Ah ouais? Ouais, on est du 300 pieds, 300 mètres.
En moyenne 300 mètres, on va rester. Par endroit un poil plus haut. Joli là. Ça a l'air, ça a pas l'air comme ça. Fonctionnement, mon golf, identifié à l'instant. C'est bien pris, faut que ça va en retour. Donc on récupérera ensuite. Ok, je vois où on va aller après. Donc visuel sur le château. Ouais. Bon mais c'est la première fois que je le vois comme ça. Avec vous, c'est une première. Les caméras à l'heure de fonctionner, tout va bien. Attention, on va virer à gauche. C'est normal. Je vois personne. Ah, il y a un golf en dessous, hein. C'est ça. Fox et Papa Victor, bonjour. Papa Victor, c'est un info, bonjour. CNDR-400, Fox Golf Tango Papa Victor, en provenance des Pampes, une personne à bord, de l'ICQNH, 7200 transpondeurs pour un vol secteur Provins et retour et Pampes. Golf Tango Papa Victor, identifié, affiché 70-30. 70-30 pour Fox Papa Victor. Voilà, on a récupéré la route en dessous, je sais plus ce que c'est peut-être la N6. À gauche, Bourron-Marlotte, quelque part à gauche, là-bas, nous avons Moré. L'Archamp, ça doit être là-bas. Ouais, il faut être le village là, ouais. Devant nous, c'est Nemours. Voilà, ce gros truc là, blanc là, il ouais. Était bien visible sur la carte. Ouais. Ça me servait de point de repère à droite. Et on garde Bourron-Marlotte et les patelins. Alors juste à gauche, quelque part, il y a un petit château là. Je vais me positionner, vous allez le voir en principe. Enfin, là pour le coup, c'est... Ouais, si on le voit, on a un visuel à gauche là. Voilà. Juste là. Ok. Voilà. Il est sous l'aile, je le vois plus, c'est normal. Donc le prochain point de repère, c'est l'espèce de grand truc blanc et je confirme. L'Archamp, c'est à droite là. C'est le petit village qui est juste là. Là on a du bol hein, parce que ces grandes clairières comme ça, là il n'y en a pas 25 000. Hein. Et les deux qui elles nous servent. C'est bon, les passagers vont bien? Ouais, ça va. Nickel. Donc le réel ça fait du 17-18. On va voir combien de temps on a perdu entre guillemets avec cette légère encartade. Mais a priori c'est vraiment pas des tonnes. Hein. Ah, Jean-Luc, tu le vois l'espèce de marée là dont je te parlais, il est juste devant à droite là. Ouais je vois ouais. En dessous on a l'autoroute à 6 et à gauche Nemours. Voilà, donc j'oublie un petit peu. Ça évitera de faire trop le virage. Là, on va faire un 110 degrés là. Alors dans le manuel il y a écrit pour faire les essais de manœuvre il faut pas être avec des passagers derrière. Je propose qu'on vérifie si le manuel a raison. Ouais, on va faire looping. Faire un petit looping pour voir si ça marche. Bon regardez la jolie église, là je vous avais annoncé une jolie église. Un peu ancienne, un peu... J'en sais pas plus, hein. Je sais simplement qu'elle est jolie à voir. Alors la route suivante, ça sera du 322 direction La Ferté. Caractéristique hein.
Bon. Allez, un virage. Donc j'ai dit 322. Mais on s'en fout en fait, puisque voilà. Alors là, on a un autre patelin qui s'appelle là. Oh, il s'appelle celui-là. La chapelle de la Reine. Pareil, il y a une autre église à voir. De toute façon, il y a un village, donc il y a une église. Hein. Et tout le massif de Fontainebleau est à droite. Et on voit la ville de Fontainebleau là-bas. On vient de là. Et nous, on va là-bas, à Milly-la-Forêt en fait. Et il fait beau, et c'est merveilleux. C'est plus ce qui m'avait accroché l'autre fois. Ah non, elle est plus classique celle-là. Je te mets la Ferté Allée ou... Ouais, s'il te plaît, effectivement. On est toujours dans le vert, on a toujours de l'essence, tout va bien. Donc on voit déjà Milly-la-Forêt, donc là on en a un autre qui s'appelle, je crois que c'est HR de mémoire. On vient régulièrement par ici. Donc on a des massifs ici, ils sont dans les environs de 120 mètres à peu près, hein. C'est l'altitude maximum. Et vous avez ce qu'on appelle les Trois Pignons. Il y a un truc qui est connu à Fontainebleau, c'est bien le massif des Trois Pignons. Vous avez le circuit dit des 25 bosses. Et dans les 18 km de mémoire en tout. Et c'est une bonne, un bon circuit pour faire un peu d'entraînement en préparation, on va dire, à la montagne. Un autre massif un peu plus au sud là, mais il faut que j'ai la carte pour bien réfléchir. Et on voit des choses qu'on ne fait pas avec Pierre. Ah ben non. Avec Pierre, il te demande toujours de faire des choses, t'as pas le temps de regarder. Hein. À droite, on a des trucs légèrement sablonneux là, c'est le massif dit du cul de chien. Les Trois Pignons et à l'intérieur duquel il y a le cul de chien. On doit être plus ou moins à la verticale de HR là. Donc voilà, dans ce massif, j'ai randonné depuis les années 85, on va dire, peut-être même un peu avant. Ok, visuel sur Milly-la-Forêt. Donc on est déjà quelque part par où là? Par ici, voilà, on revient. Voilà. Donc Buneau Bonnevaux est quelque part à notre gauche là dans les arbres. Tiens, je crois que j'ai un visuel sur Buneau. C'est même pas je crois, c'est je suis sûr. Là à gauche vous avez les champs et vous avez une forêt là. Derrière, et on voit les installations. Ok, Milly-la-Forêt. À droite. Je ralentis. 1800 tours. La pompe, on va rester 1400 pieds, on va ralentir, et Courance il est derrière là-bas à droite. Je vois un visuel sur Courance, ah, je pense. Ah, le là-bas. Ouais. Ok, je résorbe un peu. On va remonter. 800 pieds, donc sur... On est passé en dessous du 92, cran de volée vers à droite. Ça c'est Milly-la-Forêt. Voilà, bon, je sais ce qu'on va faire maintenant, c'est bon.
Donc Milly Forêt à votre droite, ouais. Il y a quelque chose de caractéristique, c'est une halle, une ancienne halle. Je ne peux pas vous dire quel âge elle a, mais elle est ancienne. Alors cherchez l'église, vous verrez peut-être la halle quelque part sur sa droite ou un petit peu plus derrière. Non, je la vois, elle est derrière, en allant vers le nord en gros. La halle vers le nord, on voit quelque chose, un grand toit, je pense que ça doit être ça. Ah oui, c'est vraiment celle-là. Ouais, donc elle est en haut, elle est en haut. Donc là, on a un autre petit patelin. Regardez sur notre gauche. Et on aura le château qui est quelque part à droite, là j'ai un visuel sur le château. Il est dans la forêt, donc on le verra quand vous ferez dessus vraiment. Scène de Papa Victor. Papa Victor. Scène, est-ce que je dois contacter Melun pour traverser la TMA Scène de place D pour me rendre sur Provins? Alors non, vous êtes sur la bonne fréquence, hein. Donc c'est TMA Scène, donc vous êtes avec Scène, et donc la transit en TMA 5 est approuvée. Rappelez-moi juste si jamais vous voulez transiter dans la 7R de Melun. Très bien, donc c'est un direct sur Provins, donc à 2500 pieds. Ah là, vous le verrez voir sur votre droite maintenant. Vous le voyez sur la droite là? Ouais, ça y est. Foxy India Tango? Tu vas avoir du mal à le voir. India Tango, j'écoute. Bah, India Tango, vous arrivez en sortie de mes zones, on n'a pas le SIV 4 aujourd'hui, donc ce sera avec Paris Info, si vous désirez sur 40 et 10, avec 7.3. Ok, je viens. India Tango, j'ai reçu 126.10 et 7000 au transpondeur, je vous remercie et je quitte votre fréquence. Ah d'accord. Tu le vois? Oui, ça y est. Il y a un petit étang. C'est où ça déjà? Donc là c'est le château de Courance. De Courance. Ah oui. J'ai discuté en plus. Et sur la gauche on a le patelin qui s'appelle Datebois. C'est un village où est dans, a vécu Claude François. Oui, il y est enterré. C'est normal, on est un peu secoué. Donc là je vais virer encore à nouveau. Il est où là que je vois où je viens? Ok. La pile dans mon départ. Et dans l'axe de l'aile. Dans l'axe et de l'aile. Et en bout d'aile le château. Ok, nickel. Maintenant on va chercher l'évolution à la Ferté. Donc plus de pompe, plus de réchauffe, plus de... Donc là je recherche mes 1400. Voilà, 122 croisières. 7 Fox X-Oscar. X-Oscar, c'est retour sur Melun? Négatif. Donc le Fox X-Oscar, avez-vous connaissance d'évolution du côté de la Ferté-Allée? Sinon, si c'est possible, on va passer en fréquence avec eux pour faire un contournement et revenir sur secteur S. Reçu, donc moi j'ai pas de contact au radar, mais oui, c'est une bonne idée de les contacter quand même. À l'issue, vous souhaiterez passer avec Melun directement ou avec moi à nouveau? Non, je reviens avec vous, ensuite on va sur Bray et ensuite Provins. Reçu, X-Oscar. Donc vous pouvez passer avec la Ferté, je vous dis à tout à l'heure. Ok, très bien, on passe avec la Ferté à tout à l'heure, on garde le transpondeur. Donc là on a un grand point bien visible qu'on utilise souvent, enfin qu'on utilise, que je connais bien en randonnée. Ah le phare là? Ouais. Bon alors maintenant là par contre je suis en pilotage à vue, j'ai un visuel sur eux, ok.
Laissez un petit peu trop loin, ils sont là-bas. La Fertel est de Fox Victor Oscar, bonjour. Donc je m'éloigne volontairement. La Ferté de Fox Golf Mike X-Ray Oscar, un DR400 en évolution, 1400 pieds, on était dans le secteur de courance. Visuel sur vos installations, on arrivera par le sud pour un contournement 1400 pieds du tour de piste. Donc ensuite on va partir vers l'est. Ok. Donc là je m'éloigne volontairement, après c'est pareil, ça permettra un peu de se rétablir tranquillement, de retrouver mes points de repère. Je vois déjà la ligne haute tension. C'est toujours mieux, voilà. Ok. On a la ligne de chemin de fer en dessous de nous. On a le terrain à droite. Ok, ligne de tension en vue. Le terrain est à droite, donc le tour de piste est assez long, mine de rien. Donc c'est pour ça que je fais une évolution assez large. Pour être certain de ne pas me retrouver en, on va dire, en conflit potentiel avec un appareil. Pierre me disait qu'il faut faire attention ici parce qu'il peut y avoir des avions qui sont en voltige. Enfin en voltige ou en évolution, mais c'est des vieux coucous, ils n'ont pas forcément de radio embarqué ou alors. Donc on est prudent. Ok, 1400 pieds. J'avais repéré ces deux trucs là, donc ça c'est bien comme point de repère. On a la ligne haute tension qui est bien visible ici, donc j'ai ma ligne dessus. Extérieur. Là-bas c'est voici le QT. Ok, on tourne gentiment. Gentiment c'est 20 degrés. Voilà. Ok, je me stabilise, je descends à 2000 tours, la réchauffe, je mets la pompe, on recommence la même manœuvre que tout à l'heure. La Ferté, Fox X-ray Oscar, on est secteur sud de vos installations, actuellement 1300 pieds, on remonte vers vous et on va enrouler le terrain pour votre gauche extérieure autour de vous. Vous voyez le terrain ? Merci. Je reprends mon altitude. J'avais pas mis l'écran de volée, tout va bien. Terrain là, chef ? Voilà. Ah, il est où le terrain ? À droite là. Ah oui d'accord. Un cran de volée à gauche, on est dans le vert. 1400 pieds, c'est bon, situation stabilisée. La Ferté, Fox X-ray Oscar, on est sur votre partie gauche, on va 1400 pieds, 1300 pieds. On fait un tour de piste extérieure. Voilà, 15 1 degré max. Donc beau visuel hein. Ah ouais. La Ferté, X-ray Oscar, on est 1300 pieds juste au nord de l'installation, on est parallèle à la piste, en direction de l'est. Donc là je m'écarte volontairement, c'est la suite de mon chemin. Ok, j'ai un visuel sur ce que je veux faire. Alors c'est beau ça ? Ah oui ? Je croyais que c'était plus grand que ça.
Ok, j'ouvre à gauche, c'est normal. Dernière visuelle sur le terrain, derrière vous à droite. Merci à l'aide, Fox Hotel Tango, India Lima, bonjour. Merci à l'aide, P66 Fox Hotel Tango, India Lima, venant d'Angers vers Melun. 1400 pieds, je vais transiter vertical vos installations dans une minute. Je suis à 2 nautiques, sud-ouest. La Fertel est de Mike Xray Oscar, donc bien entendu pour l'appareil qui appelle. On est en éloignement vers le nord-est, on est à 2 nautiques au nord des installations, 1300 pieds, on bouge pas. Vous serez derrière nous en principe. Ensuite on va vers le sud-est. C'est copié, Yalima, j'ouvre l'œil en tout cas. Ok, j'ai visuel sur mon repère. À gauche, ouais, balle en cours. Alors, on enlève la pompe, on n'a plus de volée, on n'a plus de réchauffe, on est 1300, ça va. 2500 tours, ça serait parfait. Donc on doit avoir quelque part à droite là. Ouais, parce qu'elle est passée. Donc là en dessous, c'est un patelin, dans le... enfin un endroit où on va souvent en balade. Tiens, on a novembre là-bas, bravo. Tu vois le bravo là-bas? Ouais, ah ouais, c'est ça. On fait passer avec le 134. Ouais, s'il te plaît. Attends, on va y quitter. La Fertel est de Fox X-ray Oscar, donc on est 3 nautiques au nord-est de vos installations. 1400 pieds, on quitte la fréquence, on repasse avec Seine. Au revoir, bon vol. C'est au demain. C'est bon, tu peux changer, s'il te plaît. Seine de Papa Victor. Papa Victor, je prends info, vous allez jusqu'où aller? Voilà. Ah, pardon, c'est pas copié. Vous faites un vol circulaire étant-pétant, c'était juste pour savoir jusqu'où vous partiez à l'est. Là, je vais tourner derrière Provins et redescendre vers le sud. On a un château à gauche. Je l'avais jamais vu. Ça fait 40 ans que je viens balader ici, ou 30 ans. Je l'avais jamais vu, ce château, parce que quand on est en bas, il est masqué. Ah, voilà. Enfin, c'est un château, c'est bizarre comme château. Ouais, c'est plutôt des installations modernes, ça. Ouais. Donc là à droite on a le village de Chanqueuil. Derrière il s'appelle Buveau, Beauvais. Voilà. 1200 pieds, j'ai un petit peu pas trop regardé l'altitude là. Ok, donc je sais où on va, c'est nickel. On est repassé avec eux. Cette information de Mike X-ray Oscar, de Fox Golf Mike X-ray Oscar, de retour en fréquence avec vous, 1300 pieds, en évolution vers la Fontainebleau, mais la forêt plus particulièrement. Barbizon. Donc X-ray Oscar, vous confirmez, vous allez sur Bray et ensuite vous repassez dans la CTRM-là? Donc dans un premier temps, on va terminer nos évolutions sur le massif de Fontainebleau, Barbizon. On passera au nord de Fontainebleau, et ensuite Bray, et ensuite Provins. Non, donc on repassera pas sur Melun en fait. Bien reçu, Fokker. Ok, donc là on a le croisement avec l'autoroute, hein. C'est bien. ...1200 pieds. Bon, décidément, je voulais faire du 1200 pieds en fait, mais... par sécurité, j'avais choisi 1400, alors on y retourne. Ouais. Mais instinctivement, je vais vers 1200. Donc en dessous on est la séparation de l'autoroute. Là on va suivre la route simplement qui nous amène direct à Barbizon là-bas. Les paramètres sont dans le vert. Essence on est passé sur 3. Donc c'est normal, on a fini par consommer. Voilà, on va rejoindre notre 1400 pieds. Là-bas on voit l'échangeur autoroute à 6. Bon, je pense qu'on va faire juste un passage sur Barbizon. Peut-être pas la peine de tourner. Je crois pas qu'on va voir grand chose en fait. Par rapport à ce que je vois là, c'est... A gauche le patelin c'est Chaillambière. Et juste en dessous pour la petite histoire, quand on fait des balades, on s'y arrête parfois. Il y a un magasin qui s'appelle
le panier de Caroline. Ils vendent des produits bio, parfois, pas tout le temps. Mais c'est bon, c'est agréable. Là, si vous aimez les dates, les bejoules, faut pas y aller, hein. Ils en ont des bonnes. Ok, Barbizon sur notre droite, là. Bon, on va faire qu'un passage. Hein. Voilà. Et le point de repère suivant. En visuel sur Barbizon là? Ouais. Donc Barbizon dit le village des peintres. Millet notamment, à une époque 9e siècle, il venait peindre. Et je me rappelle que de lui parce qu'il y a une forte stèle. À sa mémoire. Donc voilà tout le massif de Fontainebleau, là tout le terrain de jeu, là-dessous si vous voulez marcher, vous en avez pour des années et des années à le faire. C'est un truc de malade. Devant nous on a l'hippodrome de la Saule, Fontainebleau est à droite là-bas. Donc ce que je vais faire finalement, c'est que je vais prendre au large, donc vous le verrez aussi bien à gauche qu'à droite. Hein. On n'est pas bien haut là quand même. Hein. Donc là-dessous c'est le paradis du randonneur. Hein. Regardez un peu le paradis du randonneur. Ce qui est génial c'est qu'en fait vous êtes à l'ombre. Il y a beaucoup de massifs ici, on est essentiellement à l'ombre. Sauf certains circuits où on peut se la cogner sable et désert. Mais sinon globalement on est quand même pas mal à l'ombre. Donc voilà tout ça c'est Fontainebleau. Ah là c'est l'hippodrome. Ah voilà oui. J'ai pas entendu. Ah oui là c'est l'hippodrome. Voilà ça c'est l'hippodrome. Donc Fontainebleau juste à droite, le château il doit être quelque part un peu plus là-bas. Donc 1400 pieds. Ok donc vert. Ah oui j'ai loupé le château tout à l'heure. Il en reste 3 secondes avant que je vire. Un visuel sur la tour de Neucourt. Ok, virage. Ah peut-être que c'est pas ça. Non ça y est j'ai un visuel. Vous allez la voir sur votre droite. Donc à gauche l'hippodrome. La tour elle est quelque part en dessous là à droite là. Là c'est le petit truc qu'on voit là. Juste là. À droite dans la forêt. Ah oui, d'accord, ok. Donc ok, je reste sur cette route là. Ah oui, oui, là-bas. 1400. Et bah, vous verrez, bah, vous allez voir sur mon site, vous allez la voir de près. On y est allé un nombre de fois incalculable aussi. C'est vrai que là, si on était 500 pieds seul, on la verrait bien. C'est pas hyper représentatif, là, comme ça. Et vous l'avez visuel, là. Regardez, on la voit encore un peu mieux. Ouais. Ah ouais. Bon, faut vraiment la connaître, en fait. Ok, donc on a Sierra Mike à gauche, Bois-le-Roi. Voilà, et maintenant on va reprendre la route sur Melun. Donc fin de la partie tournoyante, si on peut dire. Voie de chemin de fer en dessous, c'est l'ORER. Ok, je me suis aligné sur le Vore là. Enfin, je suis en train de m'aligner sur le Vore. 1480 pieds, on va y rester. Il doit être quelque part devant nous là le bord. Voilà. Je mets en stand-by prêt. Après, de toute façon, on va rester avec eux. Peut-être 126.1, ils nous remettront peut-être sur 126.1 à un moment donné. Voilà. C'est un peu les planeurs d'Orléans, bonjour. Bonjour les planeurs d'Orléans, vous débutez l'activité? Oui, c'est ça. Et ben, vous nous rappelez quand vous finissez ce soir. Bonne journée. On fera ça, merci, bonne journée, à vous aussi. Fin d'information de X-ray Oscar. J'écoute X-ray Oscar. Donc X-ray Oscar, on quitte les évolutions sur le massif de Fontainebleau, on est à 30 secondes du voir de Melun, donc on reste en fréquence avec vous, on évoluera à 1400 pieds,
en direction de Bray et ensuite de Provins. Fox 6 Foxcar. Le vent est juste devant nous. 1480. Les passagers vont bien? Je suis moyen, mais ça va. Ça va? Okay. Je pense que ma tension est basse. Et donc du coup, quand il y a les sauts, ça, c'est un peu désagréable. Ok, d'accord. Mais ça va, t'inquiète pas. Très bien, nickel. Parfait. Estelle? Ah bah, quand je lui parle, elle a enlevé le casque. J'avais enlevé mon casque si tu m'as parlé. C'est le vent là à gauche? Ouais, c'est ça le vent. Ouais, j'avais vu tout à l'heure. Donc il est 44. On est dans le vert, on est dans le vert, on est dans le vert ici. On est sur 3 au niveau de l'essence. Ah, et t'avais dit de changer peut-être. Du tout. Ah non, c'est ce qu'on avait prévu, mais j'avais prévu de faire autrement. Là, on a que 20 litres sur chacun, ça fait un peu léger 20 litres. Donc on est au vent, on va reprendre un 97. Oui, 97, c'est un peu à gauche là, pourquoi je vire à droite. De toute façon, c'est pas compliqué, mon taureau est là-bas. Donc là, on est au-dessus d'un... Si je regarde ta carte, tu verras, il y a une grande ligne haute tension, là, on voit très bien. Et derrière là-bas on voit l'autoroute, je crois que c'est la 5 là-bas. Alors on intercepte, hein. Et après je fais du visuel par rapport à là où je veux vous emmener voir les choses. Voilà 1480. Là on devrait être parallèle. La route, là, j'ai pris 5 degrés, là le temps de dire ça. Donc tout à l'heure on est passé, on est allé, on a plongé à droite là. Alors c'est là où c'est intéressant quand on sait où on est. Je te mets prêt. Ouais, si tu veux, ouais, merci. Encore que c'est pareil, on est sur 97, en fait, avec le vent, on y va dessus direct. Là, ça y est, j'ai retrouvé, ok. Donc on vient de passer l'autoroute. En 14-1. Ça. J'ai sur 97 qu'il a à ma gauche, c'est normal, il faut le laisser à sa gauche. Voilà, maintenant on va voler pépère. Hein? Eh bien ça fait 1h15 que dit la GoPro qu'on est parti. Ah non, ça fait 1h15 qu'on l'a activé. Ah, et qu'on l'a activé. Et qu'on l'a activé. On est parti à 52, ça va faire presque 1h. Et 53 à la verticale même, ouais. Ça fait 17, 25, 45. Donc on a pris à peu près un quart d'heure. Ben c'est ce que j'avais calculé. J'avais dit qu'on allait faire des évolutions, que ça nous faisait perdre à peu près 5 minutes par évolution. Voilà. Donc mon taureau derrière, hein. C'est les grands bâtiments, c'est pas compliqué. Là on a la Bassée, c'est ce que je voulais vous montrer. Et quand on part à droite, là-bas, on va à Pont-sur-Yonne. Voilà.
Donc c'est ce que j'ai tout à l'heure. On a toutes ces couleurs là de vert, de bleu. C'est joli là, ce genre de vrai. Quand on a la chance, ça crée les 8 bien. C'est simplement beau, joli à voir quoi. Olé. Donc voilà de part et d'autre. Au fond là-bas c'est la centrale de Nogent bien sûr. Nogent sur 7. Et devant nous on a la ville de Bray. En principe. Alors, la route suivante, on va nous faire un 327 pendant 3 minutes. Donc, vous voyez la scène là ? C'est ouais. Cette espèce de canal là ? Ouais. Pardon ? Ah non, c'est pas Bray ça, d'accord. C'est l'autre patelin. C'est ce que je me dis, si c'est pas Bray, c'est l'autre village. Je sais que c'est pas Bray parce qu'il y a cette espèce, la route là qui fait un espèce d'arc. C'est le point de repère, enfin, ça, sur une navigation précédente, c'était un point de repère que j'avais trouvé pour me dire qu'on arrivait sur Bray. Donc là, on passe à gauche, on passait juste à droite. Bon, ben là, on va passer juste à gauche, comme ça, on restera près de l'eau et vous verrez le village. Ah, dis donc, il y a plein de choses qu'on voit pas avec Pierre. Hein. Là, le petit pont, il est joli, regarde. Ah, ben oui. Hein. Ah, ben, quand tu pilotes, hein, tu vois pas, hein, c'est sûr. Hein. On va tout faire. Il a fallu un moment avant que je commence à voir le paysage. Hein. Et c'est seulement quand tu fais les navigations que vraiment tu profites de ce que tu vois. Enfin, de ce que tu vois, de ce que tu peux voir. Ah, bah il y a nos deux copines là. Ouais. Ah bah 3 ça va être un peu plus là-bas. 3 c'est plus à droite là-bas. Ouais. Bray, c'est même carrément, faut prendre vers l'est, hein, je crois, pour aller sur 3, voir, ouais, voir là-bas. Par là ou là, hein. C'est dans ce quartier-là. Là. Scène de Papa Victor. Donc la ville de Bray, le Vore qui est quelque part par là. Alors, on regarde un petit peu. Voilà, donc on arrive et on va faire un beau virage bien comme ça. Papa Victor, scène, j'écoute. On va arriver, il sera 5-3. Scène de Papa Victor, juste pour vous dire que je reprends un cap sur Étampes maintenant. Bien reçu, Papa Victor. Pardon. Je crois que je vois le vent là. Ok, la ville de Bray. Donc là c'est les champs à hein, gogo. Et Orléans c'est par là. Hein. Bien, on voit la grande antenne là. Et Pont-sur-Yonne c'est quelque part à droite. Tu cherches l'antenne, ah, tu la repéreras ouais. Quelque part, il doit être dans les boudelles là-bas. Bon assez loin, hein, mais il est au niveau de l'antenne. Ah exact. Donc là-bas c'est sur la gauche toujours. On va y repasser, on va la couper. Et le Vore à notre debris à notre gauche là. Les caméras fonctionnent toujours, apparemment, ouais. Celle de ma tête. Il y a un joli château en bas là. Ça c'est plus une ferme, ouais, mais bon, c'est joli. Ferme, hein. La caméra fonctionne toujours sur ma tête. Ça clignote en rouge. Ça clignote rouge. C'est tout ok, bah c'est nickel. Alors. Normal. Ah bah c'est nickel. Clignote et tout clignote. Tant qu'elle clignote, tout va bien. Bon, et ben on va enclencher un gentil virage 330. C'est noté. Vert, vert, vert. Ah, vert, ça c'est normal. Hein.
Là, ça n'a pas branché, on est en train de descendre, c'est normal, ok, nickel. Ah bah il est là le vent. Exact. Donc on cherche 327. Voilà. Un vent de face de 6 nœuds. Donc il est 54 pendant 3 minutes. Et ensuite on va à droite. Et province est quelque part à droite. Ah bah ça pourrait être la grande ville là-bas, là près du château d'eau, non? Je sais pas, peut-être. C'est pas bien loin en fait, c'est juste sous nos yeux en fait. On va passer au-dessus d'une ligne de chemin de fer. Et peu de temps après, on va décoller. Ça y est, j'ai un visuel sur... Longueville. Il y a une route à ma gauche. Je vous laisse deviner. On est en train de croiser une route là qui va partir de gauche à droite. Ouais. Cette, là, si vous voyez pas, je peux plus rien pour vous. Il y a un aqueduc. Bon, il y a le patelin. Ouais. Il y a la route. Il va y avoir la voie de chemin de fer pas loin. Ah, et dis donc, ça serait pas ça à droite, ça un petit peu trop à droite. Un peu trop. Ah, parce que regarde, le viaduc de Longueville, il est là, le viaduc. Voilà. Et bah Longueville, c'est lui, hein. C'est ça. Ah non, mais à deux, on y arrive, hein. Hein? À deux, c'est impeccable. Et alors la route suivante, c'est du 035, hein. Si tu veux voir les trains, il faut aller au niveau des premières maisons, légèrement dans là où il y a le hangar, tu vois, en sortie du viaduc. Ouais. Ah bah si ça vous intéresse, hein. Bah disons que là on est parti pour plutôt voir le viaduc en fait. Ok, ça marche. Bon, donc en fait j'ai pas vraiment suivi la trajectoire prévue parce qu'on est beaucoup plus près que je pensais, mais c'est très bien. Voilà, tu vois, je suis le viaduc là, ouais, avec la ligne de train, et au bout tu vois les locomotives, tu vois. Ah ouais. Juste là en dessous à droite là. Dans le hangar orange. C'est l'info du Bravo Victor Mike Québec, bonjour. Fox Bravo Victor Mike Québec, c'est l'info, bonjour, j'ai les éléments de contact, vous pouvez confirmer. Fox Bravo Victor Mike Québec, c'est reçu, merci. Effectivement tout l'ensemble le viaduc là. Voilà. Tu le vois le viaduc Christelle? Oui oui. Bon ben juste derrière on a Provins en fait. Info du Fox, Bravo Victor, Mike Québec. J'écoute Mike Québec. On souhaite seulement faire 500 pieds pour aller jusqu'à Orléans, jusqu'au bord de Pithiviers. Ma convenance, pas de trafic connu, QNH 1024.
Fox Victor Novembre, CNH 2024, ce qui fait qu'en fait je vais même pas perdre trop de vitesse, ça sera plus simple. L'autre fois j'avais fait un 82, tu sais, ouais. Et t'arrêtes pas de faire ça, parce que le virage est vraiment long. Donc là aujourd'hui je vais garder la vitesse de croisière, et on va voir ce que ça donne pour un grand virage. Un manquier vitesse de croisière, presque. Voilà, donc on voit Provins juste à vos droites là. Ouais. On est toujours dans le vert, carburant c'est bon. Donc on a une belle vue sur les remparts. Hein. Ouais, c'est la première fois que je la vois comme ça. Ouais, moi aussi. Allez, on commence à virer. Donc on va dire à 110 nœuds, 20 degrés. Et on va voir un peu le grand virage que ça fait. Il fait que ça vous dégage bien à droite en principe et vous pouvez admirer la ville. Et moi je maintiens ce... 10-20 degrés en essayant de ne pas passer au-dessus des patins qui sont là aussi. Donc on a une belle vue sur l'église, enfin sur le, la structure qui est sur le... Là, il y a un point de repère, c'est le rond-point. C'était le point d'entrée de la boucle. Donc en fait, c'est le point tournant, si tu veux. On va dire en termes de navigation. C'est par rapport à ça que je reprendrai ma route sur la Ferté-Gaucher au nord, quoi. Donc on est 300. Un dernier passage à proximité des remparts. Visi maxi dégagé. Bon. Ah bon, on a déjà la route vers le nord, donc faut pas en changer. Ok. Tout à l'heure pour la photo. Ouais. Et t'as vu, regarde, c'est la première fois que on les voit toujours comme ça, les fumées. Là, elles partent tout droit comme une cheminée, regarde. Ouais, effectivement, ouais, c'est vrai. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas de vent du tout. Hein. Ah ouais, c'est clair. Cela étant dit, nous donne un vent de 11 nœuds de la gauche. Ok. Donc là, je vais intercepter quand même la route. Et bien au nord de Provins pour reprendre mon axe, et on va aller sur la Ferté-Gaucher en face là-bas.
Bon, là, je m'aide un petit peu avec ça, après tout. Hein. Voilà, 30 degrés à gauche, et ça sera bon. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est de monter un petit peu plus haut pour changer. C'est l'information de Mike X-Oscar. X-Oscar, j'écoute. Donc le Fox X-Oscar, on est 1400 pieds. Une route sur la Ferté-Gaucher pour monter à 2000 pieds. La montée à convenance, pas de trafic connu, un QNH à 1024 X-Oscar. 1024 pour le QNH, pas de trafic. Merci, on monte à 2000 pieds. Donc c'est Papa Victor, rappelé en vue des tempes. Papa Victor de Seine, oui, je suis en vue des tempes. Vous voulez passer avec eux? 2000 pieds, c'est... Je vais passer avec eux, oui. Allez, Papa Victor, c'était le transpondeur et tempes 119.05 en moins. Alors il nous fait monter à 1100 pieds. Papa Victor, c'était le transpondeur et tempes 119.05 en moins. Papa Victor, je suis passé sur 7000 et je passe sur les tempes. C'est ce que tu disais, il a une certaine tendance à cabrer. Hein. Ah ben oui, oui. Bon. Ça vous plaît à 2000 pieds la vue? Ça ouais. Change un peu, hein. Ah ouais. Donc pas grand chose en fait. Alors pour résorber... Oh, on est même à 2100 là. Voilà, 500-600 pieds, la différence que ça fait. C'est énorme, hein. Et d'une impression, bon, on est par terre et puis tout d'un coup, on se retrouve en l'air. Ouais. Alors ça vous plaît? Ouais, chouette. C'est beau comme d'habitude. Ouais, c'est joli notre région. C'est ouais. Marrant d'être à cette place là. Ouais. j'ai pas pensé à regarder là pour le coup, j'ai vérifié les paramètres, on devait être à 3. Ouais. Alors à 3, Provins, Longueville, on va dire réel. 13h03. Il y a 5 minutes. Ouais. On doit voir la ville de La Ferté-Gaucher qui est juste devant nous là en fait. Et j'ai peut-être un visuel. Sur ça, vous approchez de La Ferté-Gaucher, vous êtes en vue? Celle qui parlait à Ultra-Octar. Firme, vous êtes en vue de La Ferté-Gaucher? Oui, affirme, j'ai un visuel à l'instant sur le terrain et j'ai un visuel sur un appareil en évolution à nautique, de nautique sur ma gauche. Ce que j'allais vous dire, il y a un appareil en évolution a priori dans les circuits de La Ferté-Gaucher au sud-ouest. Vous sortez de mes zones, 7000 au transpondeur, vous pouvez quitter la fréquence. Mon retour, X-Oscar. Ok, on quitte la fréquence, on veille le trafic. Au revoir, bonne journée, monsieur. Donc on va passer sur La Ferté, on va passer sur La Ferté. Ouais, ça y en est dessus. La Ferté-Gaucher de Fox Mike Golf Mike X Oscar, bonjour. La Ferté-Gaucher Mike X Oscar, Golf Mike X Oscar, un DR400, 1800 pieds, à environ un nautique sud de La Ferté-Gaucher, donc, avec visuel sur un appareil dans le secteur sud-ouest. Tu peux mettre 126.1 s'il te plaît. 126.1. Ouais. La
La Ferté Gaucher, 2 X-ray Oscar, on est vertical, le 500 mètres à droite à l'est du terrain, 2000 pieds, j'ai plus de visuel sur l'appareil, mais je veille. Fox India Alpha, vous êtes identifié radar. Ok, donc on va prendre la route suivante qui ramène à PK, c'est-à-dire 297. Donc la Ferté Gaucher sur nos avant-gauches. Ah oui, il y a une école avec un toit rouge. Ouais, on voit là-bas. Coulombier là-bas. Ferté Gaucher, X-ray Oscar. On est 2000 pieds toujours. On prend une route vers l'ouest en direction de Coulombier. Pas de visuel sur l'appareil, on cherche. Oui, alors X-ray Oscar, vous êtes avec Paris Information. Hein. Ah, autant pour moi. On passe avec vous dans une minute. Reçu. Ah. Ferté Gaucher, X-ray Oscar, verticale installation 1 km au nord, 2000 pieds. On prend la route de Coulombier. Bon, alors soit il n'écoute pas, à 280 c'est bien. Je prends pas le 297 parce que sinon ça nous amène direct au-dessus de la ville. C'est pas le but. On est passé à 9. Et où ce stylo? Alors, plus 6 minutes, ça fait 15. La Ferté Gaucher de X-ray Oscar, un bon nautique à l'ouest de vos installations, 2000 pieds, on quitte la fréquence, au revoir, bonne journée, bon vol. On peut passer directement à Coulombier? Ah ouais, ouais. Coulombier, ça sera 122.2. 122.2. On les monitorera en fait, on va juste les écouter je pense. Paris Info de Fox, Mike, Golf Mike X Oscar, bonjour. Oscar, Paris Information, bonjour. Donc bonjour, le Fox Golf Mike X Oscar, un DR400, 4 personnes à bord en provenance de Logne par un vol dans le secteur de Provins, la Ferté Gaucher. On reprend donc la direction de Logne via Coulombier, 2000 pieds pour être en fréquence avec vous quelques minutes. Reçu X-ray Oscar, donc vous affichez 70-13 et pour votre information, donc là j'ai un trafic sur Coulombier qui vient de me signaler des planeurs dans ces 11 heures, donc à l'ouest de Coulombier. C'est bien reçu pour le trafic Coulombier, donc on va rester bien au sud et on rejoindra la route de Logne un petit peu plus loin. Faux de Fox Hotel Alpha Romeo Zero, bonjour. Donc on est 2000 pieds, on passe dans la zone Paris de 2500 pieds. Hôtel Alpha Romeo India. Romeo India, Paris Information, bonjour. On va tarder à descendre à 1500. On a transité dans la zone, la TMA d'Evreux, on est en provenance de Cherbourg, destination Loin, deux personnes à bord, c'est 972 à 4500 pieds. Monsieur Romeo India, vous allez afficher 70-02. 70-02, transpondeur, merci. Passer au nord ou on va directement dans la forêt à l'ouest? Ouais. X-Oscar, vous êtes identifié radar. Reçu X-Oscar, merci. Donc on passe dans la forêt là? Ouais. Et on s'écarte de Coulombier? Ouais, c'est normal. On reste sur le 270, on va rester bien au sud. Ouais. Et après on va commencer à descendre. Paris Information, X-Oscar, je descends à 1500 pieds. Donc on reste bien au sud de Coulombier en individuel. Reçu, donc vous descendez à convenance en assurant votre séparation. Affirmé, X-Oscar. Donc le QNH 1024. 1024 QNH. Donc là, je garde bien un cap de 170, 500 pieds minutes, ça suffit. Ouais, on va aller dans le... Romeo India, vous êtes identifié radar. Radar, Omega.
Donc on va le contourner assez large, on va rejoindre la zone ouest en fait. Voilà, 1500 pieds. Rentrer la réchauffe. 2450. Donc on a la ville de Coulommiers qui est bien sur notre droite, ouais. Et le terrain qui est, là-bas à droite, là-bas. Il est là-bas à droite, ouais. Les oncelles là-bas, c'est au bout, là, pour le tour de piste. Et on peut passer, si tu veux, dans la clairière, là. Non, on va rester là. On va rester là. Ouais, ouais. Donc là, je suis mis sur la fréquence 122.2, on va écouter s'il se passe quelque chose. Ah, tu veux que je te refasse passer, là? Ah non, c'est bon, c'est bon. First information, Golf Charlie, Indy Echo Foxtrot Formation, good afternoon. Station calling Paris Information, bonjour. Golf Charlie, Indy Echo Foxtrot Formation is a formation of two Eurofox aircraft, Lille to Reims Bruny via Lyon. Request information service. Golf Echo Foxtrot, stroke 7020. Fox 7020, Golf Echo Foxtrot. Donc je veux pas de planeur moi. Rien du tout. Par contre évidemment on est un peu plus bas donc on se fait un peu secouer. C'est normal. La 26 tout à l'heure, normalement. Elle est décollée comme ça, elle devrait être là. Il y a un avion là, ouais. Il est en tour de piste. Il y a Jean-Luc, tu vois dans le bout d'aile là, la grande antenne, la grande tour. Ouais, c'est Utella. Ah, oui, le secteur Utella, tu te rappelles? Je m'en rappelle bien. Echo Foxtrot, radar identified. Echo Foxtrot, could you repeat the message, please? Ok, donc il est en tour de piste, il va pas nous gêner. Très bien, je vais obliquer sur la forêt. Echo Foxtrot, I have radar contact. No contact, Golf Echo Foxtrot Formation. Ah non, mais tu appuies dessus. Alors on enlève le monitor. Et où ce terrain, il est là, ok. Le terrain de golf ouest, il est là. Très bien. Ok, tu vas même faire, je pense. Ah oui. Alors. Sur ça. C'est un service 26. C'est bon. 26. Ok. En 310 degrés, 470. L'autoroute est là-bas. Kilomètre. Température 20 degrés, QNH 4, couche 34 UTC. Sûrement. Merci. Bien, commission Charlie, vous pouvez. Paris Info de Fox, X-Oscar. X-Oscar Paris. Donc X-Oscar, on est travers ouest de Coulommiers, 1400 pieds, pour vous quitter et passer en fréquence avec Logne. Reçu, donc vous affichez 7000, vous pouvez quitter. Au revoir, bonne journée. 7000, au revoir, bonne journée, merci madame. Pneu, variable J270 au 0,50 degrés. Visibilité 10 km, température 20 degrés, VLH unité 024, couche du soleil 18h54 UTC. Premier contact confirme information Charlie reçu, merci. Good day. Alpha Bravo. Did at 10 UTC. Running news 26, Ocean Belazard. Wind 310 degrees. Ok, on est 1200 pieds, Steven. On est dans l'axe. Logne autour de Fox Golf, Mike X-ray Oscar, rebonjour.
Fox Golf Mike X-Ray Oscar, affiché 37-30, je vous rappelle. 37-30, on attend votre appel, X-Ray Oscar. Victor Yonkey, piste 26, dur, autorisé, touché, vent 200 degrés, 3-9. Touché, 26, dur, Victor Yonkey. X-Ray Oscar, donc vous êtes en retour installation pour Logne, c'est correct? Ah si, un peu Tango Oscar de retour à Logne avec l'information Charlie pour un complet. Reçu, X-Ray Oscar, rappelez écho. On rappelle écho, X-Ray Oscar. Bon, alors vu que celui-ci c'est une véritable fusée et qu'on va atterrir sur la 26, ouais, on a... je vais mettre en approche tout de suite. On se met à 1800 tours. On maintient 2000 pieds. Voilà, et perdre la vitesse. Voilà. Le garde à sauteur, il est tranquille. Oh putain, les virages passe sauteur, sauf que Victor Yonkey. Oh, ça va, les virages passe sauteur, il peur d'arriver comme une fusée sur l'ogne par la 26, enfin ouais, enfin, quand je dis peur c'est une façon de parler, c'est à dire qu'en fin de compte quand tu fais la formation tu te rends compte que à un moment donné ça fait beaucoup de choses à faire en peu de temps, ouais, et donc après ça vaccine un peu quand même, mais bon là ça va, ouais, c'est surtout quand t'as du trafic, tu veux choper le trafic et, ouais, et l'avion avance quoi, ouais. Donc au niveau essence on est toujours bon, au niveau des paramètres on est encore bon. On est à 1,48 de... Mais déjà la pompe. C'est Victorien qui piste un petit dur. Autorisé de toucher, c'est pas la même chose, monsieur Victor. Visuel sur le au fond là-bas. Voilà, dernier virage là, c'est Victor. Oscar Tango pour un report vertical. Oscar Tango vertical, installation approuvée, rappelez pour quitter la fréquence. Vertical, installation approuvée, on rappelle pour quitter Oscar Tango. On voit Montparnasse, on voit la tour Eiffel, mais c'est un peu dans le. Ouais. Bon, vas-y, j'ai. Bon, là, j'ai pris une vitesse de 105 nœuds, façon novembre alpha. Ça y est, je suis à la maison là. Ah c'est des vitesses, on a le temps, voilà, de, on a de, le temps de respirer. Ah, ah, on a le temps de voir le paysage finalement à là, 100. C'est mieux. À 102. Elle est toujours l'autre dessus là, ah. La caméra. Non, la mienne aussi. Ah la, non, elle est, oui, elle est toujours rouge. La mienne est éteinte, je sais pas depuis combien de temps. C'est pas grave, on la rallume. Yes, c'est bon. Merci. Ok. Donc à gauche, le dernier château de la journée, Ferrière. Le sol, l'oignon, Fox X-Roscar, on passe écho. Fox X-Roscar, exécuté approche direct, piste 26 dur numéro 1, rappelez. On effectue une approche directe 26 dur numéro 1, Fox X-Roscar, rappelons. Donc. Voilà, on cherche l'axe. On réduit la vitesse, on est 1100 pieds. On passe en dessous. Un cran de volée, la pompe, la réchauffe. On cherche l'axe. Tango, pour quitter. Merci, au revoir. 1100 pieds, on cherche l'axe. Oscar Tango, transpondeur 7000, quitter la fréquence à mètre. Donc on va rester sur du 82. 7000, Oscar Tango, c'est là. Allez, vers le tour. Et 900 au lit. Autorisé à Victor Yankee, 26 dur. En calme. Je suis assis sur Victor Yankee. Voilà, 80 nœuds, on s'établit. Ok. Sûrement. Un deuxième cran. Il y en a un qui fait un basse hauteur là. Ah ça y est, je vois. Il arrive, on est 1960 pieds, 80 nœuds, c'est bien, 1800 tours. On garde le 80 nœuds. Dans l'axe, hein. On est 800 pieds, 880 pieds, donc un poil bas, on maintient. Voilà, chercher le papy, je le trouvais pas, ça y est, je l'ai vu. Ouais, j'ai vu. On remet 1800. On va la descendre.
Victor Yankee, donc j'ai un Tecnam là qui a passé les lignes de tension en finale. Pardon, c'est un Robin d'ailleurs. Donc je pense que ça passera pas devant lui. Et derrière lui, ça va vous faire rallonger un peu, non? Vous le voyez? Écoutez, on peut prendre l'avant arrière direct, ça y a pas de soucis. Oui, j'aime autant. Voilà, merci. Et puis, à l'issue, ben, les exercices, ce sera à convenance, mais là, ça passera pas trop. Puis aller derrière pour la gazonner, ça fait un peu long, je trouve. Ouais, pas de soucis, ben, dans les vents arrière pour un toucher, c'est dur, il numéro 2, rappelez finale, 26h, extérieur, check. XO en finale pour accomplir 26h. Troscar, 26h, autorisé atterrissage, Vandarlax, 39. Autorisé atterrissage, 26h, Troscar. L'œil tour, Kilomac, bonjour. Bonjour Kilomac, affiché 37-31, je vous écoute. On affiche 37-21, retour vol local, demande atterrissage piste 26, information Charlie. Rappelez Echo Fox Kilomac. On rappelle Echo Fox Kilomac. Et le transpondeur c'est 373 unités. Transpondeur 373 unités. Long tour, Kilomike, on arrive au point Echo. Kilomike, exécuté, approche direct 26 dur numéro 2, trafic précédent, Piper final. Rappelez final 26 dur. Rappeleur final 26 dur, Kilomike, visuel sur un aviron là qui est en dernier vir. Ok. Victor Yankee, 26-0, autorisé touché. Vent 300 degrés, 4-1. Autorisé touché, 26-0, faut qu'il t'enquille. Permission Charlie received. Ah oui, j'avais pas fait là. T'es pour le Robin, je fais attention, faut que t'en veux. Le sol de X-Oscar, 26-0, dégagé, demande roulage au parti salut. Oscar, rebonjour, roulez vitesse samedi, vous laisserez sortir deux Robins de Tango Unité pour le point latin. On roule et on laisse sortir deux Robins à Tango Unité. Bon, alors, tiens, il y en a un qui atterrit là-bas. Et il est 20, on a atterri à 25. Hein. Ouais. Et on a donc, les latéraux n'ont pas bougé, et on est passé juste en dessous du 2 pour le principal. Non, on est à 2 en fait. C'est-à-dire qu'on est à 60 litres, donc c'est bon. Salut à la tour. Voilà, un premier DR400. Non, on récolte pas en parking et après pour le roulage, on donne le point d'arrêt. Okay, deuxième novembre 2. Novembre Echo Alpha, roulez point d'attente, piste 26 dur, rappelez prêt. Pour le point d'arrêt de la 26 dur, rappel prêt et du copier Charlie. Un deuxième qui en approche là. Alors on passe à côté de l'hélico. Ok, on se remet en coupe la radio. Attention à ça, on va le fermer tout à l'heure. Alors, 1200 tours.
ça. Ça, on remet entre 3 et 4. Et c'est bon, et on arrête celui-ci.